Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Coach Time sur Overwatch 2 avec Dora l'exploratrice. Non pardon, c'est bon, je l'ai fait une fois, c'est bon. Il va partir explorer avec son Genji, c'est un gameplay bronze les petits potes, donc ça risque d'être extrêmement intéressant pour voir comment on peut aider quelqu'un qui est bronze en flanque, puisque c'est sans doute l'un des rôles les plus puissants du jeu, du fait que à très très bas elo, les gens généralement se protègent pas trop les uns les autres. Il est bronze 3 principalement, et c'est sur la map King Roo, il ne précise pas si c'est un gameplay manette ou clavier souris. Donc on verra. Alors avec Genji au départ, est-ce qu'on commence ici? Plutôt pas trop, on peut commencer tout simplement sur cette surface là où il y en a qui commencent aussi avec Genji de mémoire. En fait c'est assez bien quand on est vraiment à bas niveau, essayer de trouver des positions de départ. Genji peut commencer ici aussi, il peut commencer sur cette surface là, ou il peut commencer ici, enfin bref il peut commencer à plusieurs endroits et puis dasher et retomber en dessous là pour être safe, ou alors commencer sur le toit ici et pouvoir partir par là pour pouvoir se barrer, enfin avoir une position de POC. On en parle souvent avec Kiriko, mais forcément avec un flanqueur c'est encore plus le but. Donc Tracer etc peut commencer en haut ici, voilà, ou Reaper aussi d'ailleurs, et TP back, voilà. Donc avec Genji, on va essayer d'aller être un petit peu plus agressif. On rappelle, hein, la base de Genji, c'est un peu la même base qu'un Chopper, tous ces personnages-là qui ont l'attaque des trois shurikens quand on est très près de quelqu'un, à 5 mètres ou 10 mètres maximum. Et ensuite, on va utiliser le clic gauche quand on sera à des distances un peu plus courtes. On a le Deflect, bien sûr, à utiliser, qui permet de renvoyer les dégâts. On a bien sûr le dash qui reset à chaque assist ou chaque élimination, ça fonctionne sur les deux. Donc voilà. Donc là le problème c'est que t'es positionné un peu trop comme un DPS. Voilà, t'es mis derrière le Lucio alors que t'es quand même un flanqueur. Donc c'est vrai que se positionner en haut pourrait être assez bien. En fait pourquoi? Parce que toujours la même chose, hein, on répète souvent, mais enseigner c'est répéter. C'est le fait de dire que si tu es là, t'as les mêmes schémas de tir que la Sojourn. Donc ça va être difficile de faire un kill, à moins que ce soit quelqu'un qui soit full bourré à 5 HP, qui décale pas et qui se met pas safe. Au bout d'un certain elo, je le dis souvent, mais les gens vont se positionner. Ah, j'ai pris 100 de dégâts, je me mets sur le côté, j'attends d'être heal. Si vous tirez au même endroit, le côté il est facile à trouver. Alors que si tu tires de là-haut, là, c'est un bordel monstre pour trouver un endroit pour se mettre à couvert des tirs de Genji. Vous voyez l'intérêt ici. Là, par exemple, on aurait pu éventuellement, si on était mis au top, regardez, la même situation, mais en étant au top. Déjà, là, tu les fais chier. Là, les gens savent pas trop comment se mettre. La même situation en étant au top, peut-être que tu peux tuer le Genji. C'est-à-dire que là, vu qu'il est anti-heal, tu pourrais te dire, je vais dasher à travers. Alors, ça serait quand même assez risqué, hein, mais les gros joueurs de Genji pourraient essayer de le faire. Tu dashes à travers, tu dashes à travers le Genji et tu essaies de lui mettre un click drop pendant son anti-heal. Là, regarde, il serait peut-être mort parce qu'il est toujours anti-heal. Donc là, le heal de Ange ne marche pas. Il est actuellement à... Oui, il meurt là, on est d'accord. Le dash fait 52 dégâts, on le rappelle, avec Genji et il est à 65. Donc tu dashes, tu fais clic droit et tu redashes, tu te bats. Où tu tapes la hanche, puisque ça se trouve, personne va se retourner contre toi. Donc il y avait un kill à prendre là, tu vois. En étant là, tu aurais fait beaucoup plus chier au départ. Voilà. C'était juste histoire de le dire, mais c'est important, voilà, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on verra assez souvent. Je préciserai juste de temps en temps. Là, tu fais des clics droits, mais tu ferais mieux. Voilà, le Genji, lui, il dash. Ah, tu joues anti-flank. Un flanqueur peut très bien jouer anti-flank. Là, c'est dommage. T'aurais dû utiliser double saut pour être à peu près à sa hauteur et essayer de lui faire mal. Un flanqueur peut jouer anti-flank, tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut avoir comme but d'empêcher le flanqueur de faire le taf. Là, c'était pas mal, mais tu vois, tu peux faire exactement le même move pour finir sur le balcon. Voilà. Oh là, c'est très dangereux. Oh là 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 là, on fait pas ça avec un flanqueur. On évite ce genre de situation. On évite ce genre de situation parce que là, tu deviens frontliner. C'est pour ça que j'ai dit flanqueur, c'est là, faut pas. Ça faut surtout pas faire. Faut surtout pas faire parce que tu pop à côté d'une hache, là elle peut te tuer, mais alors très très vite. Hein. Voilà. Donc Ramattra lui va pas te voir, je pense. Voilà. Il t'a vu, mais c'était trop tard. Il a eu peur limite.
On voit le moment où il est choqué et il fait ah il y a un gadget là. Voilà. Donc non, attention, hein, faut pas glisser. Ça c'est une glissade, faut mieux éviter quand on est flanqueur. Tu vois, ah bah hello, vous allez pas vous faire punir, mais là vous pouvez crever en faisant ça. Hein. Très bon wall de Ramattra, voilà, on peut s'en servir pour pouvoir DPS. Là on pourrait dash in et la tuer et repartir en dash ou deflect. Bon, tout à fait, il a dash in, on dash sur lui. Là c'est à mon avis le choix que je prendrai moi, puisque c'est une parce que lui il décide de dash alors que sa Ana est morte et que la ange elle est en train de reste. Donc il va vraiment avoir aucun soutien au niveau heal. Le problème c'est que le reste de ton équipe ne semble pas trop l'avoir vu, donc voilà. Ils ont pris la hauteur, là c'est très intelligent de venir les embêter. Dommage que tu ne tues pas, mais c'était bien, très très bien tenté. Alors, le problème de vouloir focus le Genji Kale par la Ange met un bon ulti, on réussit à prendre le kill. Là on est un peu dans une situation où tu as perdu Sojourn. Donc si tu décides de flanquer, il va d'un seul coup, ça va fragiliser la compo puisqu'il n'y aura plus de dégâts. Plus énormément de dégâts puisque c'est Ramattra, Lucio, Ana et que Astelula, les healers, ils pensent un peu qu'à heal. Hein, voilà. Donc là, tu penses à flanquer, ok, mais il faut vraiment que tu sois utile très très vite pour pouvoir impacter et empêcher et réussir à faire des kills. Parce que là, on est dans la fameuse situation où les gros joueurs comme ML7, comme je me rappelle plus du joueur Awkward, non. Arward, celui qui essaye de monter Ange, enfin qui monte Ange de bronze 5 AGM en disant ce qu'il fait, etc. Et là, on est typical dans une situation où il va falloir être... De toute façon, le fight, il est déjà perdu. Donc, il faut tenter quelque chose de difficile, mais il faut mieux le tenter pour pouvoir essayer de renverser la situation. Là, il faut tenter quelque chose de difficile, il faut renverser la situation. Donc, le focus Ana était bon. L'Ashe qui est complètement toute seule... Là voilà, tu vois, on voit bien la différence entre le clic droit et le clic gauche. Là, quand la hache a débarqué, t'aurais dû directement clic gauche, t'as fait un clic droit supplémentaire. Donc là, tu tues hache, c'est plutôt bien. C'est disputé par une personne qui reste sur le point qui est Phil, qui est Lucio, qui est un personnage qui peut rester sur le point longtemps, ou en tout cas, pas rester sur le point, mais tourner autour du point et y passer de temps en temps pour faire de la dispute. Là, t'as un très très bon focus possible sur la Mercy. Le problème, c'est que la Mercy est en train de heal Ana. Un très bon focus sur la Ana plutôt. Décider de dasher à travers, c'était un peu risqué. Là, Ange Rez, la hache. Là, c'est mal barré. Alors là, tu peux considérer que tu peux réattendre toute ton équipe ou alors fight. On peut réattendre toute l'équipe ou fight. Là, ça sert à rien de mettre une blade par exemple. Tu peux prendre la hauteur, attendre. Voilà, attendre. Et quand tu seras à là. Faut espérer que là, normalement, Ramattra, il est sur le chemin du retour. Je sais plus dans quel ordre ils se sont fait buter. Mais Ramattra, normalement, il est censé être pas très loin. Ramattra, il est... Ah non, il est loin, Ramattra. Aïe, 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 aïe. Donc là, il y a deux choix, les gars. Soit tu fais une Nano Blade, ce qui est tout à fait possible, de décider de faire une Nano Blade tous les deux. Voilà, là, elle décide de te blade et toi, t'y vas. Ce qui est faisable. Soit il va rien se passer parce qu'on est à trop bas elo. Mais une Nano Blade aurait pu être intéressante ici. Tu décides de pas contester le point. C'est un peu dommage parce que tu vois, regarde. Là, tu vas maintenant avec une Nano Blade. En restant sur le point. Bon, après, il faudrait peut-être y aller un petit peu plus tôt. Mais ouais, ton but c'est d'aller tuer les gens qui sont sur le point avec ta Nano Blade. Tu temporises suffisamment, les autres arrivent en fait. Et le fait que tu vas pas, c'est dommage. Voilà. Oh, il était allé, Phil! Oh, mais en plus, j'avais pas vu, il y avait la sonde barrière. Oh oui, non, mais fallait tellement le faire. Alors, le problème, c'est ça, c'est que, ouais, là, ce qu'il faut, c'est malheureusement, il faut vocal. Ou alors, quand t'as vraiment l'habitude de jouer Genji, tu tapes dans le chat, Ana, tu vois que t'as Ana, elle a son ult, en appuyant sur tab, bien évidemment. Il n'y a pas ce petit menu-là qui serait quand même super cool si on l'avait, le menu en haut à gauche avec tes alliés, avec les ultis, etc., les PV, qu'on a dans Paladin d'ailleurs. Tu peux dire à Nano-moi à Ana, dès qu'elle te voit, elle te voit sur la hauteur, elle te soigne un coup, boum, elle voit, elle appuie sur le Nano et toi tu blade. Et là, le Lucio arrive avec la sonde barrière et ça aurait passé, à mon avis, ça a de grandes chances que ça passe. Hein. Et voilà, ça c'est compliqué parce que voilà, tu décides d'y aller à ce moment-là. Bon, faut aller sur des carries quand même, pas sur un tank. Voilà, on tue la hache, on tue la ange, c'est bien.
On a fait mal. Dommage. C'était pas trop mal comme blade. C'est quoi ce bruit? Je me disais que c'était où? C'était chez moi ou... Donc le kill sur la range est bien. Là, le dash. La Ana, la H. Ah, je croyais que c'était la Ana, mais c'est la H. Elle utilise intelligemment son sort puisqu'elle sait qu'est-ce qui se passe. Comment on contre un Genji? On contre un Genji en... en s'éloignant de lui au moment où il a dash. Et s'il ne prend pas de kill ou d'assist, il ne récupérera pas son dash et il se retrouvera jambonné car trop loin des adversaires. Donc voilà. Elle a bien joué la hache en utilisant son escape au moment. Ça a fait la diff. C'était quand même pas trop mal. Voilà, dommage qu'on n'a pas eu la Nano Blade qui aurait été vraiment beaucoup plus facile pour toi. La Ana est trop collée à ses alliés là. Elle a décidé d'endormir. Bon, lui, il s'est fait réveiller instant. Je suppose que le dot de Ramattra réveille. Hein. Ça serait pété s'il ne réveillait pas. Hop. Dora qui est en train de revenir. Donc là, le focus sur Genji, très très bon. On peut dasher à travers lui. Là, c'était plus des clics gauche. Hein. Il était commencé à être un petit peu loin. Voilà, des clics gauche. Oh, c'était très greedy, ça. Pourquoi pas. Là, tu peux remonter. Rappelle, il y a un petit passage, là. Tu peux remonter. Là, tu vas mourir. Tu vas sur Bob, c'est pas de bol. Compliqué. Là, je pense que dans la séquence ici, il faut essayer de remonter. Au moment où tu remontes ici, il faut pas remonter là. Faut remonter un petit peu dans le passage ici. Parce qu'en fait, tu vas être vachement chiant. En fait, il faut comprendre que cette map, elle est quand même très très cool pour un Genji. Parce que tu peux te mettre là et les emmerder en fait. Et les poke de loin, etc. Essayer de les gêner le plus possible. Surtout quand tu es dans une situation d'infériorité numérique où il y a déjà pas mal de tes alliés qui sont morts. Parce que vous voyez qu'il reste plus que toi. Il reste plus que toi. Il reste Phil. Donc vous êtes trois. Et ça va être compliqué quoi. Il y a Bob qui a été claqué donc il zone complètement le Ramattra. Et toi tu dashes dedans malheureusement. Il meurt aussi. Et derrière, Phil meurt. Voilà. Compliqué pour le moment. Hein. Alors on rappelle que... Alors je suis pas un OTP Genji, hein, je suis pas Nécro. Mais ce que j'aurais tendance à faire moi, c'est de jouer Genji un peu comme tu le joues. C'est-à-dire de jouer en anti-Genji. Bien évidemment, il faut s'améliorer au niveau des shurikens pour pouvoir le punir et le tuer. Et sinon, attendre les bons moments pour attaquer. Essayer de voir qui est isolé, qui est pas isolé, etc. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on perd la Ana en délai kill. Parce que là, tout le monde était mort. Hein. Quand Phil meurt, Gueno et Dora meurent, la Ana doit certainement pas aller mourir. Donc on a, en plus derrière, la Sojourn qui va se faire délai kill. On rappelle qu'on est à très très bas elo, donc on n'a pas cette logique de s'attendre, la logique, etc. La blade du Genji adverse. Un peu dangereux de dasher sur le Genji. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'as voulu faire là, mais s'il est sur toi, tu dashes. S'il est pas sur toi, tu dashes pas trop près de lui. Stuck Bronze, il s'appelle notre joueur. Il a réussi à prendre le kill sur H. Sur H. Bien joué. Il est complètement dans le back. On réussit à punir le joueur de Genji. Pas grand intérêt de le focus lui, hein, pourtant. Hein. Vraiment, là, il y a autre chose à taper. Hein. Ça c'est compliqué mais en fait on se rend pas compte. Mais un Ramattra comme ça heal par deux personnes. Faut mieux taper des heals. En fait plus le nombre de joueurs est baissé la Ange reste la hache. Logique. Ah non c'est le Genji qui est toujours vivant. Non c'est le Genji qui s'est fait reste par la Ange. Je l'ai pas vu. Le Genji s'est fait reste par la Ange. Mais quand? Ok on va revenir en arrière là. Faut que je comprenne un truc. Donc là, vous tuez Genji, il y a Ange qui va réussir à venir pour Rez. Là. Ah ouais. Elle est venue pour Rez. D'accord. Putain. Elle est venue pour Rez, elle est venue d'où? Pour que ça passe, là. D'accord, ok. Bon, il met beaucoup de coups de blade dans le vent. Et là, il a grid, il burst. On se met sur la merci, s'il vous plaît. Ah, c'est parce qu'elle est en ulti. Elle est en ulti. Donc, elle est en l'air, en fait, là. Ok. C'est un bon move, hein. C'est un bon move. Là, elle est toujours sous ult? Non, elle est plus.
que je me disais, moi je serai en hauteur. Hein. Et là, vous voyez, tu vois l'intérêt de Focus Ramattra est pas très intéressant. Parce que Genji, c'est un personnage. En fait, Genji, c'est un personnage qui survit assez facilement. Donc le focus sur les heals est bien meilleur. Là, c'est bon, tout le monde va mourir parce qu'ils servent de l'espace que tu as créé. Il y a Ramattra qui est complètement gratos. Donc là, tout le monde va mourir. Assez facile l'action, là, bien joué. On rappelle, hein, Genji, il faut dasher au niveau du sol. Et en fait, si vous vous démerdez bien, vous devez finir votre dash. Quand vous savez que votre dash n'est pas un killer, c'est-à-dire qu'il va pas finir les, il ne finit pas, il faut essayer de finir le dash juste derrière la cible pour pouvoir se retourner et mettre Shuriken dans la tête. Donc là, par exemple, le dash, là, on va vérifier. Donc là, on zappera Ramattra, ce qui sert un peu à rien, parce qu'il est par 3 personnes. Là, tu vas passer sur Ana. Bon, là, il y a besoin de train le... Là, je suis même pas sûr que tu mets les 50. Je suis même pas sûr que tu mettes les 50. C'est quand même dommage. Là, tu vas pas les mettre, les 50. Tu vas passer au-dessus. Enfin, je vais vérifier, mais elle a combien de PV, là, Ana? Elle est à 66. Ah, si, quand même. Tu mets les 50. Elle tombe de 66 à moins 50, 16. Et là, tu réussis à prendre le kill. Mais là, vraiment, t'as besoin de train d'aura. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est que là, c'est faut train lame. Hein. Parce que là, même si tu prends des bonnes décisions, c'est le problème hein, quand on veut jouer flank dans certaines games, c'est que bah, lame est tellement pas bonne qu'en fait, on peut pas copier-coller le gameplay de Necro. Parce que Necro, il aimait les shurikens. Vous voyez, la difficulté de coacher quelqu'un qui veut jouer flanker, c'est que est-ce que le problème, c'est lame? Parce que si c'est le problème, c'est lame, bah... Une bonne décision qui passerait pour un joueur qui a une bonne aim ne passe alors plus parce que t'as pas un bon aim. Et donc si tu te mets à jouer différemment des très bons joueurs parce que t'as pas l'aim, bah finalement le personnage il devient, enfin c'est difficile de le coacher quoi, parce que vu que t'as pas du tout l'aim, les prises de décision d'un bon joueur passeraient, mais d'un joueur correct passeraient, mais les joueurs d'un de correct pas. Donc la première chose qu'il faut train avec Genji, comme la Tracer, bah c'est l'aim en fait. Parce que si vous n'avez pas d'aim, vous aurez beau savoir où sont positionnés tous les packs de heal, si vous aurez beau essayer de combo à chaque fois, mais si ça passe jamais, bon... Cela par exemple... On va voir. Là, tu touches pas. Là, tu touches pas. Là, tu touches un peu. Là, tu mets des clics droits, donc tu touches forcément avec les shurikens. Là, tu dashes, mais tu te retrouves sans munitions. Vous voyez le gros problème de la différence. C'est pourquoi ils ont augmenté les nombres de munitions. Diminué le nombre de munitions sur Genji. C'est pour justement contrer les gens qui savent pas bien jouer Genji. Parce que le temps, le nombre de shurikens que tu balances pour tuer Ana fait que derrière, tu vas dasher sur un soldat. Et t'as plus de trucs, donc t'es obligé de recharger. Là, fallait taper le Genji un peu plus. Voilà. Donc ouais, il faut travailler votre aim. Hein. L'aim, c'est beaucoup plus important en flank. Enfin, c'est un peu plus important en flank qu'en dégâts. Parce qu'en dégâts, vous êtes positionné dans des trucs où généralement, vous êtes assez safe. Vous êtes beaucoup plus safe qu'un flanker. Un flanker, bah lui, il est tout le temps sur le fil du rasoir. Il passe frontliner, c'est-à-dire, pour moi, passer frontliner, ça veut dire que tu passes sur la première cible la plus facile à taper. En dégâts, t'es rarement la première cible à taper, la plus facile à taper. T'es, généralement, c'est le tank qui est devant toi. Alors que flank, bah tu passes des fois devant ton tank. Donc, ou sur le côté, voilà. Là, c'était très bien sur la range. C'est qui, là, dans notre back? Ah, c'est une Moira. La fameuse Moira DPS qui a créé un espace de dingue sans faire exprès, te permettant de complètement derrière dessouder tout le monde. Donc on revoit l'action phénoménale de la Moira qui dashine. Donc la fameuse Moira Bronze Silver hein, qui dashine, tu sais pas trop pourquoi. Qui s'appelle ici comme ça, voilà. Regardez, elle va péter un câble. Moi ça me fait marrer parce qu'il n'y a aucune logique de pourquoi elle dashine. Pourquoi elle dashine comme ça? Parce qu'elle considère que... En fait, c'est pourquoi on fait ça, pourquoi les Moira Bronze Silver se permettent de faire ça, c'est parce qu'elles disent qu'elles vont pas être punies. Et c'est pour ça que ça marche plus en plate, parce qu'en plate, gold, ça commence plus à marcher, en fait, on punit. Parce qu'il n'y a aucune logique au fait qu'elle... En fait, le joueur se dit, je vais dashin parce que j'ai remonté tout le monde en barre de vie, et puis j'ai envie. Là, une bonne Ana, elle t'endort, hein.
Elle t'endort, elle met la grenade pour se soigner elle, et pour se soigner. Et toi, t'es incapable de la buter. Merci se retourne pour te soigner toi. Voilà, et en fait, c'est juste qu'elle crée un espace phénoménal. Parce que là, Anna a une Moira sur la gueule, elle sait que ça va être difficile parce que personne va l'aider. Parce que le problème du Baello, pourquoi Moira joue comme ça? Pourquoi les Moira? C'est parce qu'elles sont pas punies, les gens se retournent pas pour aider la Anna. Et donc là, Anna, elle struggle complètement contre la Moira, parce que même c'est quand même beaucoup plus facile de jouer Moira que Nana dans cette situation, en 1 contre 1 pur. Et voilà, et elle est pas aidée. Alors là, par contre, le Genji qui arrive à ce moment-là en Blade, bon... La question est très dure à répondre. Faut-il continuer de focus Moira? Faut-il le problème c'est que le slip normalement il devrait être utilisé sur Moira, donc ça signifie qu'il n'y a plus le slip pour la Blade. Donc là c'est ce qu'on appelle une situation ultra positive sur un move très étrange. Voilà. Très très bizarre le dashin, moi je le fais plus, hein. Le dashin avec ma Moira, je suis actuellement plate, enfin je ne suis plus plate puisque je fais plus de ranked, mais quand j'étais plate avec ma Moira, je faisais pas ça. Non, on fait pas ça normalement, ça marche plus en fait. On se fait punir, mais à Halo Silver Gold, bah vous comprenez pourquoi, là c'est une situation typique de pourquoi ça passe. Parce que ça aurait peut-être passé sans la Blade, c'est-à-dire que bon, il y avait la Ange qui était venue soigner la Anna, donc ça aurait été compliqué. Il aurait fallu re-swap sur Ange, peut-être pour la buter parce qu'elle était low d'ailleurs. Mais c'est compliqué. En fait, aussi à partir de plate, diamant, GM, master, ça marche plus parce que le support va protéger en réflexe l'autre support. Quand vous me voyez jouer support, c'est souvent ça qui se passe. C'est que je suis en train de réfléchir à est-ce que je dois heal ce que l'autre heal est en train de heal, ou est-ce que je dois heal mon support pour être sûr qu'il puisse heal les autres personnes. C'est game move classique, vous jouez Anna Kiriko et Anna est en train de tenir le tank, Kemi Life, et Anna a perdu un quart d'HP, bah, il vaut mieux balancer la salle de heal sur Anna pour être sûr qu'elle meurt pas, comme ça Anna continue de faire son travail et toi tu peux repartir en mode DPS. Voilà. C'est pour ça que ça marche plus aussi à partir d'un certain niveau. On est parti. On se met sur le côté. Alors on rappelle, hein, y a un petit passage. T'aurais pu continuer et aller te mettre carrément sur la. Carrément te voir ce qui se passe. En fait, tu peux te permettre dans un. À cet élo là, tu peux te permettre complètement de continuer ton chemin pendant qu'il respawn. Et d'aller ici, voilà, de mettre un petit peu de poke là et de pouvoir repartir par là pour essayer de choper quelqu'un dans le dos, voilà, qui tombe. Parce que tu vois que ton équipe, tu vois là par exemple, si tu serais là, tu serais un petit peu plus chiant. Toujours dans l'idée de faire chier. En fait, faut comprendre que le rôle de flanqueur à Baello est plus facile. Audio Seeker, mais pourquoi? Pour aussi la simple et bonne raison que les gens connaissent pas bien les maps quand ils sont à Baello. Et de deux. Comme on l'a dit, les DPS se retournent pas. Donc être un moustique parasite et là balancer des petites attaques sur le mec en bas, le mec va se retourner, il va faire « Oh merde, il y a un Genji là !» Vous voyez? Et en fait, il va avoir du mal. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, et qui marche jusqu'à Elo plate diamant, dans Overwatch 2 ou dans Paladin d'ailleurs, dans les deux hero shooters auxquels j'ai le plus joué, c'est un type intéressant. C'est quand vous êtes un pas Elo des professionnels, incroyable, généralement vous allez pouvoir empêcher quelqu'un de jouer. Exemple typique de ma Tracer. Ma Tracer, j'ai réussi à monter en plate saison 1, alors je suis une AIM de merde. Pourquoi? Parce que je peux me démerder avec ma Tracer pour pas mourir, mais le mec, il est tellement emmerdé qu'il ne fait plus le travail qu'il est censé faire, il essaye de me tuer. Et moi, mon but, c'est pas forcément de le buter, mais c'est de survivre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Vous empêchez, vous ne tuez pas la personne, mais la personne qui essaye de jouer ne joue plus. Parce qu'elle essaye de vous buter, mais elle n'y arrive pas non plus. Donc en gros, vous créez une situation de 4 contre 4. Vous faites un 1v1 et eux, ils font un 4 contre 4. Et si vous parasitez le meilleur joueur de l'équipe adverse, bah, ça peut vous faire gagner. Alors que vous ne le tuez pas. D'ailleurs, on fera une vidéo très intéressante sur les stats, ça fait pas tout. Parce que dans une situation pareille, t'es tresseur et t'empêches carrément une saute jambe de jouer qui est actuellement en 30, en 32, elle ne joue plus. Voilà. Mais à partir d'un certain élo, et peut-être que vous pouvez le voir pour ceux qui y sont, à partir d'un certain élo, le joueur va arriver à faire les deux. C'est-à-dire qu'il va considérer que dès que Tracer est plus là, il se remet à faire son rôle. En fait, un très bon joueur, dans Paladin ou dans Overwatch, c'est quelqu'un qui, quand il est parasité comme ça par un flanqueur, il arrive tout de même
à reprendre son travail dès que le flanqueur s'éloigne un petit peu pour aller chercher un pack de soins, etc. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs à bas elo, ils sont paranoïaques, ils se croient dans Predator, ils sont chassés par un prédateur, ils sont là. Il est où le mec qui veut mon cul depuis tout à l'heure? Il est où? Et en fait, ils jouent plus. Voilà. Et en fait, donc là, c'est pour ça que ce type-là marche très très bien à bas elo, parce que le joueur va être paranoïaque. Il va se dire, ah putain, il revient quand l'autre, le salaud là? Et il y a des joueurs, ils en ont rien à foutre. En fait, le but, au bout d'un moment, c'est d'arriver à dire, la traceur arrive, la traceur est partie, je tire sur quelqu'un d'autre. Ah, la traceur arrive, et en fait, de ne pas perdre de temps. Et c'est comme ça que vous nullifiez les flanqueurs qui ne sont pas capables de tuer. Mais jusqu'à un certain elo, être capable de jouer le moustique, le parasite, le mec qui empêche littéralement un, voire parfois deux, parfois trois joueurs de jouer. Mais si vous empêchez trois joueurs de jouer qui sont tout le temps paranoïaques sur allez où tracer, et que votre équipe est pas qu'à foutu de gagner, votre équipe pue la merde. Voilà. Et c'est pour ça que l'une des bases du flanqueur, l'une des règles du flanqueur, c'est de ne pas crever. Parce que si vous mourrez, quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passe pour le mec qui est comme ça en train d'attendre que vous reveniez? Bah, il sait qu'il est tranquille pendant 20 secondes. Donc il reprend son rôle principal. Il reprend le fait de jouer normalement. Alors que tant que vous restez en vie, vous restez dans sa tête. Et vous continuez de le parasiter. Voilà. Donc ça, c'est un petit tip pour les flanqueurs qui marche très très bien jusqu'à Elo, je dirais, plate. Et après, ça commence à plus marcher parce que les joueurs prennent le réflexe de jouer normalement, quoi. Comme il faudrait, comme les pros font, quoi. Là, tu vois, t'es trop en front lane. C'est pour ça qu'arriver par derrière est mieux. Bon, là, on voit qu'ils sont un petit peu, un peu perdu, un peu du père. Là, tu t'appuies d'Orissa quand même, hein. C'est pas le meilleur des focus alors qu'il y a une Ana à 3 mètres. Bien joué, là Ana meurt. Là Orissa meurt, bon tout va bien pour le moment. Hein. Genji a lancé une blade, on avait 10. Il réussit quand même à faire de kill. Sur une Moira, ce qui est assez bizarre parce qu'elle avait dû faire une erreur de fade, je suppose. On pourrait regarder un petit peu, mais comment une Moira peut mourir d'un Genji? Une Moira, c'est quand même un des personnages qui est contre le plus Genji. Ah, c'est parce qu'elle a Blade In. Oh là là, quelle erreur. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Et là, il n'y a aucun... Souvent, pour juger le level de quelqu'un, ça, on en parle rarement, mais c'est vrai, c'est la gestion des cooldowns. La gestion des cooldowns, c'est comment vous, en tant que joueur, vous avez tendance à utiliser vos sorts. Est-ce que vous les balancez par la fenêtre? Ça, c'est ce que vient de faire Moira. Elle vient littéralement de balancer le sort, un des sorts les plus forts du jeu. Invisibilité, invulnérabilité, repositionnement, prise de hauteur, 6 secondes de CD. Ce sort est complètement con. Alors qu'il n'y en avait vraiment pas besoin, ils avaient gagné le fight. Et vous voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez voir. Est-ce que vous avez tendance à lâcher vos sorts pour rien? Vos sorts, ils sont ultra précieux. Et c'est donc pour ça qu'elle va mourir. Alors que là, si elle avait son fade, elle serait pas morte. Elle aurait pu s'éloigner du Genji et elle aurait pas pu. On rappelle que c'est important pour éviter qu'un Genji puisse faire tuer toute une équipe. Bah, c'est surtout qu'il n'arrive pas à vous tuer. Parce qu'il n'arrive pas à vous tuer, il n'y a pas de reset. S'il n'y a pas de reset, voilà. Alors vous allez dire, oui, mais c'est pas grave, ils perdent deux joueurs, bon, ils ont tué une blade, est-ce que c'est si grave que ça? Ça serait grave si le payload, il était à côté du spawn adverse. Mais vu qu'il est à côté de votre spawn, enfin à côté, il y a quand même une bonne distance, ça devrait aller. C'est-à-dire qu'au moment où le Genji va revenir, Moira et Lucio vont revenir. Donc là, vous allez quand même struggle un petit peu. Dans le fait que... Mais ça, c'est calculable avant. C'est comme dans un MOBA, on peut calculer... Voilà, le mec est en 5-0, tu regardes ses items, tu sais déjà combien il va te faire de dégâts, et donc tu peux savoir si ton perso, il est devant ou il est derrière. Là, c'est pareil. Vous êtes derrière, là. Il faut tout de suite analyser comme l'idée que vous êtes derrière. Vous avez perdu vos deux heals. Ils vont revenir. Ils sont 4. Vous, vous êtes 3. Donc, il faut lâcher du lest. Il faut jouer un petit peu plus safe. Là, ça serait quand même con de perdre Sojourn. Et c'est là qu'on voit que cet elo-là, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en supériorité numérique. Ils n'ont pas conscience d'être en supériorité numérique et qu'il faudrait normalement qu'ils foncent, l'équipe rouge.
ligne de mire qui est claquée. Là, normalement, c'est Phil. Phil était un Lucio, donc il a lancé le booster de vitesse pour Moira, qui revient vite également. Donc, normalement, ils sont pas si loin que ça. Voilà, ils sont quand même un peu loin. Et voilà, on perd le Ramattra et on perd Dora. Vous voyez comment, en fait, on peut prédire l'avenir. On peut prédire l'avenir. Au moment où on voit Moira fade, on peut prédire qu'elle est dans la merde. Dès qu'on entend la blade, on fait « Oh oh, ça va être chaud pour son cul si Genji a vu qu'elle a utilisé sa fade. Et de deux, on savait derrière que en perdant Lucio et Moira, il n'y avait plus de heal. Ils n'ont pas eu conscience qu'il fallait... C'est dur stratégiquement de se dire « On est obligé de les laisser push 10 ou 15 mètres de payload en plus. » Pour regrouper à 5, pour éviter ce genre de truc. Donc comment on évite ce genre de truc? Bah en se le bouffant plusieurs fois. Mais à Baello, en fait, ils apprennent pas. Ils se disent pas... en fait, tu vas être tout seul à dire, faudrait qu'on recule, parce que là, on a nos deux heals en moins. Le temps qu'ils reviennent, paf, ils vont revenir, ils vont être à 4. S'ils jouent sur leur supériorité numérique, on va, pile au moment où Lucio et Moira vont revenir, reperdre des gens. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont réussir peut-être à push. Donc là, l'objectif, c'est là, maintenant, pour l'équipe rouge, c'est domino. Il faut essayer de tuer ceux qui vont revenir. Et stock bronze, Minika et Phil, faut essayer de débuter. Là, Minika recrève instant. Paf, Arash qui prend plein de kills, qui a bien réussi à délai un maximum le plus de personnes. Et vous voyez la conséquence, c'est qu'il push. Et pour éviter ça, malheureusement, ce n'est pas de la solo queue. Il faut communiquer, il faut dire on back. On back, on défendra le point, on ne défend pas là où il est. Même si on avait l'impression, ce qui est un peu bizarre pour quelqu'un qui joue peu au jeu, c'est que oui mais ils ont gagné le fight. Puisqu'ils sont 3 sur le point et tout le monde est mort. Oui, mais en fait, il y a eu 4 morts. Puis ensuite, hop, ils repop. Puis ensuite, la mort du Genji. Et 2 morts. Et en fait, donc, non, ils sont potentiellement en infériorité numérique. Donc, il faut accepter de reculer. Alors ça, c'est dur hein, pour du Baello, je suis d'accord. C'est dur de leur faire comprendre ça. Faut leur montrer la vidéo. mais il aurait fallu ouais, aller défendre sur le point. Là, t'es un peu trop en front laner. On rappelle que Genji peut passer dans leur back. Il y a Ana qui s'est mis dans le back. Là, la Blade au corps à corps sur une Ana qui bouge pas. Alors vous me direz, mais Iker, c'est pas si grave. Bah en fait, sur un jeu où le but c'est qu'ils aillent le moins loin possible, c'est hyper grave en fait. Hein. Là, faut pas d'Achille. Hein. Là, tu peux te permettre encore ça aller dans l'angle où t'étais, ça allait. On rappelle qu'on peut se mettre sur la petite corniche en haut là. Avec Genji. Pour avoir une bonne vision. Tout en faisant à peu près la même chose que t'es en train de faire, mais de manière beaucoup plus safe parce qu'il te verrait pas. Parce qu'à moins, à plus bas Elo, les gens voient pas, les gens qui sont sur les hauteurs comme ça. Ou il y en a deux qui vont le voir dans l'équipe et puis c'est tout. Oh, c'est con! Oh, c'est con. Je sais pas si on peut deflect l'ulti Orisa, j'ai jamais essayé. Je ne suis pas un main Genji. Donc là, ils vont réussir à push. Un petit peu. La moitié, il reste 6 secondes. Il faut réussir une défense et le Ramattra va se faire des kills. Et là, toi, tu vas te faire délai aussi. Ah non, toi, t'es tombé dans le vide. Donc tu t'es fait délai aussi. Voilà, ça pue. Il n'arrive pas à se regrouper. Il y a heureusement qu'il y a Phil, hein. Heureusement qu'il y a Phil et que c'est un Lucio et qu'à Lucio à Baello les gens savent pas le tuer. Il arrive. Ouais, il se fait tuer pile au moment où Ramattra revient. Il y a une blade qui a été claquée parce que Minika il est encore allé dans le bac avec sa Moira. Oh là là, c'est dur. On n'arrive pas à se regrouper. Et la visée tactique qui revient parce qu'il l'avait utilisé tout à l'heure. Et là c'est sa poche. C'est quand même dommage, hein. Vous voyez que. C'est là qu'on se dit putain ce jeu il est quand même dur ce jeu parce que c'est les en fait depuis tout à l'heure depuis l'erreur de tout à l'heure s'il y a eu le fight un petit peu dans leur spawn etc mais voilà vous voyez l'erreur à quel point elle a été violente du fait que la Moira a fade. Vous vous rendez compte que tout ça tient peut-être du fait qu'une Moira a fade parce qu'elle avait pas besoin.
Parce que si Moira meurt, peut-être qu'il n'y a que Lucio qui meurt. Mais s'il n'y a que Lucio qui meurt et qui tue Genji, c'est pas pareil. Ils sont 4 contre 4 et ils ont Ayla. Ouais, c'est vrai que mes coach time donnent envie d'arrêter de jouer au jeu. Parce qu'en fait, c'est tellement basé sur rien, les games. Ça se joue tellement sur peu de choses que voilà, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud à quel point le jeu est basé. Bah, ça reste un jeu teamplay, quoi. Donc quand on fait de la solo duo, bah, on est quand même très vulnérable aux prises de décision des autres. Et alors là, qu'est-ce que tu veux expliquer à la personne en plein milieu de la game, Moira, pourquoi t'as fade? Et tu l'engueules? Et il comprend pas le joueur. Il comprendra pas. Il a pas le niveau de connaissance pour comprendre que son fail, il est à chier, quoi. Il est à chier. Donc, ça sert à rien de les engueuler. Malheureusement. Là, vraiment, il y en a, ils comprennent pas leurs erreurs. Parce que, bah, ils se disent, bah, j'ai juste utilisé un sort. Pourquoi tu m'engueules? J'ai utilisé un sort. Voilà. Mais les conséquences que ça a sont phénoménales, quoi. Alors là, c'est dommage parce que tu t'es montré limite un petit peu avant. Il faut essayer de pas trop se montrer. Là, Anna qui essaye de tenter son duel face à Fatal. Plutôt déconseillé. Je déconseille fortement. Parce que Anna tue en 3 shots. Là, on rappelle, elle fait 75 de dégâts. Bon, avant, elle faisait 70, donc ça revenait au même. Hein. 70 x 3, ça fait 210. Et en plus, c'est pas instantané, Anna. C'est un dot. Donc vous avez quand même de grandes chances de perdre, quand même. Hein. Bon là, malheureusement avec Fatal, il n'y a pas grand chose à dire à part améliore ton aim. Voilà, malheureusement c'est Fatal. Hein. Donc, il y a améliore ton aim, change de position. Bien évidemment, vous avez la hauteur, vous avez le haut du théâtre. Je vais appeler ça le théâtre. Le haut ici, ou voilà. Tu peux monter là. Voilà, ça peut être bien pour essayer d'avoir des angles, pour essayer de mettre des shots. Vous le savez peut-être, où ont tendance à décaler les fatales après. Donc les fatales, elles ont tendance à se mettre là-haut. Puis après, elles ont tendance à se mettre là. Voilà. Et à l'inverse, quand elles sont en défense, elles ont tendance à se mettre là. Puis elles ont tendance à se mettre là. Voilà. Puis elles peuvent se mettre ici ou là, si vraiment c'est la merde. Donc c'est dépendant que du shot. Donc là il n'y a pas grand chose à coacher, hein. Dora, il faut améliorer le shot. Il faut passer des heures et des heures à essayer d'améliorer le shot sur Fatal. Bien joué, bon kill. Attention quand même, hein, H normalement perd contre Fatal, puisqu'elle a un time to kill beaucoup plus réduit. C'est pas mal ça. Dommage. Là c'est bien d'avoir pris la hauteur. Dommage de descendre. C'est pas obligé, t'aurais pu rester au top. Ah dommage, c'était pas loin. Dommage. Je sais pas quoi. On peut pas trop coacher la IM, hein. C'est voilà, très bon kill sur Anna. Elle peut être res, donc essayer d'aller chercher la hanche était une bonne idée. Mais la hanche a res, je crois, il y a pas longtemps. Elle a claqué son ulti. Fais gaffe, une bonne hanche pourrait venir te chercher avec son petit pistolet, hein. Bien joué, très bon shot ici. Bien joué. Là, faut pas se montrer. Il aurait fallu aller chercher le heal. Oh, ça va passer, ça. Voilà, visée tactique. T'aurais pu aller chercher le heal. Rappelons. Toutefois, la position des heals ici. Donc déjà, tu es passé devant, donc t'aurais pu prendre le heal ici. Rappelons que vous avez un heal en bas. C'est un gros pack même. Donc tu serais allé full life en allant chercher le heal en bas. Voilà. Ça peut être intéressant d'aller chercher parce que mourir est très punitif dans le jeu et t'as pas de res là, hein. T'as pas de manche de ton côté. Ou spammer dining. Enfin là le plus logique c'est de... Le plus logique c'est pas d'aller chercher l'île en bas. Le plus logique c'est de venir chercher ce petit île en spammant dining deux fois à Minika qui va bien évidemment se foncer dessus et te heal. D'ailleurs le joueur Minika s'est fait voler la Moira par Phil qui s'est dit ouais j'en ai ras le cul de ma Moira. C'est moi qui prendrai Moira dans celle-ci. Donc très bien, là t'es allé chercher les shots, voilà, tu fais la mitraillette, c'est très bien, voilà, t'es full life, il y a 4 personnes sur le point, et on reprend le top ici, bien sûr, pour essayer d'aller chercher une ligne, mon grand classique, hein, quand vous revenez là, faites toujours gaffe, s'il y avait une fatale au début, il y a forcément une fatale ici. Tu te mets à la fenêtre, c'était intelligent, t'es full life, donc c'est bien. Tant que t'as pris des dégâts, il faut rester à la fenêtre parce qu'il faut que vous gardez le potentiel. Après, Minika, normalement, il est censé TP sur toi à ce moment-là.
pour t'aider, pour battre la hache. Vraiment, ça doit être un TP instant. De toute façon, il y a 4 personnes sur le point, je crois. Pendant tout le laps de temps, il y a un... Voilà, on va vérifier, mais... Ouais, là, il y a 4 personnes. Donc là... Là, il doit commencer à TP, hein, Minika, sur toi. En toute logique. Là, il doit venir. Vraiment, il doit venir. Vraiment, il doit venir. Il est pas venu, je crois. Si, il est venu. Mauvaise langue, Iker. Mauvaise langue. Bien joué. Et puis, c'est Minika qui fait le kill derrière. Bien joué. Et là, il y a la deuxième position pour Fatal, pour être dans leur dos. Donc là, tu le fais de manière accroupie. Oh, très clairement, à Elo Bronze Gold, ils t'entendent pas. Silver Bronze, ils t'entendent absolument pas quand tu... Oh, dommage. Bien joué, ça passe. Là, Ange peut raise. Là, tu ouvres trop ton angle, malheureusement. Et Arash a plutôt une aim correcte, hein, je trouve, depuis le début. Il s'en sort plutôt bien, ils sont soldats 76. Ce qu'il va falloir que tu essayes... En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre avec Soldat, c'est qu'il faut éviter ses Rocket Helix. Parce que c'est vraiment le burst énorme. À bas et long, en fait, c'est plus ça qui tue que le reste. Parce que les gens tirent mal. Et j'en fais partie. Des gens qui tirent très très mal en DPS. En général, moi, je fais plus les kills, je fais plus de dégâts avec les Rocket Helix qu'avec mon tir. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment c'est essayer d'éviter les Rocket Helix. Bon, sinon, c'était pas mal. T'as réussi à tuer Anna. Mais faut, bien sûr, c'est Ange. Donc, elle a raise la Anna après. Ah, soldat 76. Putain, il est proche de ses adversaires. Hein. Il a envie de faire des câlins. Ouais, on voit que Arash, c'est pas le même level de soldat 76. Lui, il décide de faire le tour. Il a fait le tour en courant. Il a ensuite claqué son ulti. Il va essayer d'aller tuer la backline adverse. Toi, Dora, tu es reparti sur un... Oh, en plus, il est nano-boosté. Bon, bah, il a cassé le cul. Je pense que les deux, ils sont pre-main. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez essayer de deviner, mais ça paraît logique. Parce que tout à l'heure, on a vu le temps qu'a mis Dora pour être Blade, pour être nano-boosté par la Ana, si on regarde le comparatif, là... Attention, t'as 99 HP. Bien joué, le très bon kill. Bien joué. Bien joué. Le joueur qui swap Gweno, qui swap Zarya contre Orisa. Très bon swap, puisque Zarya, le rayon passe à travers son 10, donc c'est un gros problème. C'est pour ça que le pierre-feuille-ciseau voudrait que... tu joues Orisa contre... tu joues Sigma, tu tombes contre un Reinhardt, comme on parlait l'autre jour, mais je sais plus dans quel ordre seront publiées ces vidéos, on s'en fout. Enfin, vous verrez. Vous verrez bien, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent toutes les vidéos. Les beaux gosses. Et donc, en gros, tu commences la partie, tu joues Sigma, et il y a un Reinhardt en face, tu meurs, tu swaps Orisa. Le Reinhardt dit « Oh merde, il swap Zarya ». Et bah, t'es obligé de swap ta Orisa normalement, en théorie. Même si Zarya est devenue beaucoup plus difficile à jouer après son nerf, ça reste quand même puissant, surtout dans un elo où on va tirer dans la bubule. Si vous avez des DPS disciplinés qui ne tirent pas dans la bubule, Orisa peut largement tenir contre Zarya. Mais si les gens bourrent la bubule, non. Orisa va se faire défoncer. Enfin, défoncer, peut-être pas, mais elle va brancher. Très bon deflect, on va sur la Ana. Il est où ton slip? Là, on l'a pas entendu. Elle a utilisé son slip, là. Elle avait dû l'utiliser, parce que ça m'étonnerait que... Non, non, elle veut pas. Bah, faut que tu heal ta Orisa. Ah ouais, il est vachement bon son teammate là. Et il l'a Orisa. On pourrait go chez Anna. C'est Lola, il y a des trucs à dire. Là c'est très bien, elle essaye de heal ça à Anna. Là faudrait que tu tires sur le Genji. Je sais pas si elle aurait pu, parce que nous on le voit à travers, mais est-ce qu'on le voit vraiment le Genji? Ouais, on le voit un peu. Et alors là, donc, elle va avoir un Genji sur la gueule et elle va jamais utiliser son slip.
Peut-être ça, ça touche et cassé. Hein. Oh, c'est bien de heal le soldat. Là, faut reculer. Hein. Faut reculer au virage d'après. Non, elle va pas l'utiliser, hein, vraiment. C'est vrai que c'est un peu dur hein, d'endormir Dora, mais bon, on peut essayer quoi. Bien joué, bah elle survit pour le moment. Hein. Bon, là, faudrait qu'elle continue de reculer, mais. Faut souvent reculer jusqu'au virage d'après en fait, au virage suivant. Donc là, faut qu'elle recule au virage qui était là, comme là, elle a mis un peu de temps, il aurait fallu qu'elle recule un peu. Voilà, bon, c'était un petit coaching. Dora qui s'est fait dessouder. Là, vous voyez, est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Non, c'était dans une autre vidéo. Je fais plusieurs coachings d'affilée, donc je sais plus où j'en suis. Là, c'est la notion d'overheal. La notion d'overheal, ici, elle est intéressante. Pourquoi? En fait, c'est la notion que Phil commence à prendre des dégâts. C'est une Moira. C'est donc un personnage fragile. Elle n'a pas encore sa fade. Alors, est-ce que tu dois savoir, toi, en tant que Kiriko, qu'elle n'a pas sa fade? Bah, si t'es vraiment un très bon joueur de support, t'es censé savoir qu'elle n'a pas encore sa fade. Et donc là, vous voyez, on aurait pu overheal. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait pas soigné tout de suite la Moira fait qu'elle va crever. Donc c'est ça la notion d'overheal avec Kiriko parfois, où vous pouvez essayer de soigner quelqu'un qui, elle devient frontliner, donc elle va prendre cher. Alors que Stuck Bronze, il est actuellement en train de fight un Doomfist. Donc normalement, il pourra tenir un peu plus. Soldier peut se poser, son dispositif de soins, il peut prendre le heal ici. Donc là, vous voyez, il fallait directement swap sur Moira et faire du overheal. Enfin, pas faire du overheal parce qu'elle avait pris des dégâts, mais il fallait la heal, bourrer la heal parce qu'elle est devenue un frontliner dont eux se disent, bah, je vais pas tirer sur soldat, j'ai une Moira à 2 mètres devant moi, je vais tirer sur Moira. Donc c'est là que vous voyez qu'on peut la notion vraiment de swap heal qui peuvent faire la différence en comprenant que lui n'est pas en danger et que c'est plutôt elle qui est en danger, donc il faut la heal un tout petit peu avant. C'est comme ça que vous pouvez voir en vous coachant vous-même vos propres games si vous avez fait des bons trucs en heal. Parfois bien sûr la personne n'est pas sauvable, donc c'est toujours compliqué de savoir si la personne était sauvable ou pas. Là il y avait peut-être une chance parce qu'il y avait très peu de temps à temporiser pour Moira. Bon là ça sert à rien mon cher Dora de y aller. Là en fait dans une situation pareille il faut passer par un chemin de flanque. L'erreur a été que tu n'es pas allé au bon endroit pour survivre. En fait, pour survivre ici. Alors déjà, on l'a dit. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous ajoutiez dans votre gameplay. Vous êtes le premier à respawn. Vous êtes le premier vivant de votre équipe. Ne passez pas, quand vous jouez Tracer, Genji, les flanqueurs, ne passez pas par le chemin principal. Essayez de passer par les chemins sur les côtés. Vous êtes un flanqueur. Voilà, ça peut être intéressant parce que attaquer du chemin principal, mais c'est là où les gens, ils sont en train de... Ils regardent leur montre, ils font bon, ils arrivent quand? Ils sont en train de boire leur petit café, ils sont là, ah! Sur le payload en train d'attendre que vous arriviez. Donc si t'arrives par le chemin principal avec un perso qui est faible HP, tu vas te faire défoncer. Donc faut arriver par un côté. Donc là c'est parce que t'es chemin principal que tu tombes sur la hache qui elle n'est pas venue par un chemin principal mais un chemin sur le côté. Et alors là ce que t'aurais dû faire c'est sans doute dasher là-dedans. Bon, moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais dashé là-dedans parce qu'en fait en bas il y a un pack de soins à 250. Donc, tu as deux façons pour l'atteindre. Soit tu dashes vers le bas ici, tu tombes et tu vas le chercher. Soit tu dashes à l'intérieur du bâtiment. Ce qu'aurait sans doute fait chier un peu la hache. Je sais pas si la hache dans son... On va re-regarder l'action. Là, tu vas trop au chemin principal. Là, il aurait fallu s'aller là-dedans, passer par là, aller taper dans leur bac, etc. Tu as le temps vu que tu es le premier à spawn. C'est en fait, faut en profiter. Parce que quand vous faites le tour et que vous avez toute votre équipe qui est en train de tirer, eux, ils sont en train de jouer à 4 contre 5 joueurs. Et vous, vous êtes en train de faire le tour. Bah, vaut mieux faire le tour au départ. Comme ça, quand vos alliés arrivent, vous êtes en 5 contre 5 avec toi, une position de flanqueur. C'est pour ça que c'est faut profiter. Vraiment, vous ajoutez ça. Ah oui, je suis flanqueur, Iker, il a dit, il faut que j'aille flanquer. C'est mon boulot quand même. Donc là... Elle a utilisé son escape. Donc si tu dashes là, t'es safe.
vu qu'elle a utilisé son escape. Donc oui, t'aurais pu dasher à l'intérieur du bâtiment, ça aurait été plus safe. T'as décidé de dasher vers l'arrière, mais dasher vers l'arrière, ça fait quoi? Tu deviens juste plus petit, mais tu sors pas de son angle de vision. Et elle t'a touché, en fait. Voilà. Alors que si tu dashais à l'intérieur du bâtiment, il aurait fallu qu'elle marche, qu'elle avance, voilà, tu essaies de descendre des escaliers, puis au moment où vous descendez l'escalier, elle serait arrivée là, comme dans un film, paf, t'aurais pu aller chercher le pack de soins, si elle était descendue pour venir te chercher, paf, full life, ah, c'est maintenant elle qui est dans la merde. Voilà. Donc c'est important de connaître le positionnement de tous les heals, hein, pour pouvoir prendre la bonne décision. Je pense que la bonne décision, c'était de rentrer dans le bâtiment. Parce qu'elle avait utilisé son escape. Sinon, elle aurait pu essayer avec son escape de revenir chercher un angle. Mais vu qu'elle a utilisé son sort pour... Enfin, son sort de mobilité, entre guillemets. Et là, le problème, c'est que c'est le domino, hein, le classique. T'es mort en flanqueur. Voilà. Là, t'arrives chemin principal, mais t'as des morts dans ton équipe, donc attention. T'as pas entendu l'ange ? La Kiriko qui t'épée sur toi, ça la permet d'être safe. Même si Doomfist pourrait venir, il va pas oser venir. What? Qu'est-ce qu'il dit? Essaye de Kiriko. Pourquoi tu traverses la rue sans regarder? Oh là là, les enfants aujourd'hui, hein. Il a traversé la rue sans regarder des deux côtés. C'est pas possible. Pourquoi il fait ça avec sa Kiriko? Ah, c'est quand même quelque chose là. C'est-à-dire que là, il TP in. Ça lui enlève la brûlure. C'est ça ? Je crois que ça enlève la brûlure quand tu TP. Et ensuite, il repasse. Là, il se dit, ah, il faut que j'aille soigner mon soldat 67. Ah, mais quel courage. Et là, boum. Alors qu'elle aurait pu TP sur soldat 76. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est pas la bonne idée. Hein. Derrière toi, il faut pas que tu meurs, Dora. Arrêtez de vous faire domino, bordel. Vous avez déjà perdu 25-30 secondes. Frappe météore. Allez, il prend un kill avec la frappe et vous êtes mal barré. Ah, c'est bon. T'as un dash, hein, puisque voilà, t'as ulti, on rappelle, tu peux dash, ulti dash. Ça, l'ulti réinitialise le dash. C'était chaud parce que au moment où t'y es allé, je suis pas sûr que vous étiez en égalité numérique. Hein. Non mais Nika, il est toujours mort, il vient juste de respawn. Là, t'y vas là? Vous venez de perdre Zarya. Vous êtes actuellement en 3 versus... Regardez, hein, Kiriko, elle est là. elle est pas dans le fight. Zarya est morte. Et vous avez donc en face de vous le soldat 76 avec sa visée tactique. La hache qui est là. C'est H, oui. Non, ça c'est pas H. Ça c'est... Si c'est H. Là vous avez le Doomfist. Là vous avez la Ange. Et là vous avez la Ana. Donc vous êtes vraiment en 3 versus 5. Et ça va quand même passer. Donc c'est la magie d'Overwatch. Tac. La Ana qui a toujours pas le réflexe de t'endormir. Parce que je suis sûr qu'elle l'a. On va regarder. F11, pardon. Elle l'a, mais en fait, la touche est cassée. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est facile? Bah non, c'est pas facile. Mais là, elle pouvait endormir. Là, il y avait quand même... Putain, t'avais un énorme vision sur Genji, bien sûr. Vous avez votre endormissement sur un Genji, il faut tout de suite essayer de l'endormir. Voilà, c'est le but. Et derrière, triple kill de Dora, incroyable du cul. Le petit coup, la survie, le Doom. Le Doom perdu. Fais quelque chose. Ulti de merde. Ulti de merde. D'ailleurs, t'aurais pu continuer la course du payload. Le payload n'est pas sur Bob. T'aurais pu continuer tout en tapant Bob. Là, le problème, c'est que vous pushez pas le payload pendant plusieurs secondes. C'est un petit peu dommage. Là, il aurait fallu dash. Pardon, il aurait fallu dasher sur le payload. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Il aurait fallu dasher limite sur le payload à la fin. Parce que les gens vont pas repop tout de suite. Tu peux dash sur le payload pour qu'il push le plus rapidement possible. Ça aurait pu être intéressant. Quoi qu'ils sont déjà en train de revenir et il y a une visée tactile. Donc oui, ça peut quand même être compliqué. Même si derrière, tu peux te cacher derrière en t'accroupissant. Et bon, éviter que le soldat 76 fasse énormément de dégâts. Donc là, si Arrage, il est pas trop bête. Normalement, il doit pas mourir. Il doit jouer safe et attendre vraiment les derniers mètres pour aller claquer un ulti. La visée tactique intelligente de Stuck Bronze qui prend d'avance Arash qui lui voulait attendre un petit peu le retour de son Doom pour pouvoir refight
Et résultat, il va peut-être se faire manger. Et il se fait manger. Donc là, c'est superbe ulti de Stuck Bronze qui prend de vitesse la prise de décision qui est elle, d'Arrache, qui était d'attendre, d'être nano boosté par Ana, d'attendre que le Doomfist conteste, etc., etc. Et finalement, il n'y aura pas de conteste. Je sais pas comment un Doomfist a pu mettre autant de temps pour revenir quand même, parce que c'est quand même un Doomfist. Là, Ana qui est mal positionnée, qui a toujours sa touche endormissement. Qui... Ah non, elle l'a utilisée, je crois, mais trop tard. Attention quand même. On rappelle, hein, dans cette partie-là, vous avez les hauteurs qui sont extrêmement fortes, surtout si les adversaires, eux, ne peuvent pas la prendre. Ash peut la prendre, Doom peut la prendre, Ange peut la prendre, mais Ange peut la prendre que grâce à Ash ou à Doom. Donc c'est assez probable que si tu montes là-haut, bah t'es assez safe quand même. Hein. Tu vas pas trop être embêté. Donc monter là-haut avec Genji peut être intéressant. On repart. On essaie de tuer la hache. Là, faut se mettre en... Le problème, c'est qu'il faut réussir à se mettre en vision tout en étant safe. Ce qu'il aurait fallu, c'est deflect. Deflect, te mettre en vision pour recevoir du heal. Deflect le soldier. Donc, en fait, tu te montres. Tu tournes vers le soldier. Et tu deflect comme ça. Et t'attends de recevoir du heal. Si à la moitié du temps de ton deflect, t'as pas reçu de heal, et tu penses que tu vas pas en recevoir, tu te remets en vision. Ou alors, tu dashes. Tu dashes vers là pour recevoir un petit peu plus de heal. Mais là, ouais, c'était l'utilisation du deflect quand tu t'es montré devant les gens. Après, Arrache, on l'a dit, hein, c'est plutôt quelqu'un qui a un bon focus et qui comprend ce qui se passe. What? Lol, Arrache il veut tellement flanquer qu'il a pas vu qu'il avait un soldat 67 qui suivait. Là, Ana a débloqué sa touche endormissement, a réussi à endormir et résultat, là, Ana réveille le soldier, ce qui est quand même dangereux, mais ça va, elle réussit à récupérer le kill. Arrache fait tout le travail. Dora, toi tu reviens tout juste. Ils sont tous morts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut poke sans se mettre en danger. Le but c'est de monter les dégâts pour monter l'ulti. Mais de pas se mettre en danger. Attention, Zarya s'approche de toi. Tu recules petit à petit. Tu utilises les doubles sauts. Elle va rater tous ses clics droits. Là, c'est dangereux. Ils sont tous là. Voilà. Orisa qui revient. C'est pas mal. T'as monté un petit peu de ta charge d'ulti. Donc très très bien. Oh, c'est dommage. Il y a une très bonne grenade anti-heal qui a été claquée. J'ai fumé du Wishit ou... Attendez. Ah non, il peut pas y avoir de grenade anti-heal. C'était une grenade heal, pas une grenade anti-heal. Parce que vous avez pas d'Ana à vous. Wouah. C'est super risqué hein, de faire une blade comme ça devant les gens. Il y a quand même une animation relativement longue. Hein. Mais bon, on est à Baelo, ça passe. Bon bah ça va caper. On voit bien que vu la durée de la game, vous allez aller chercher le 3 partout et la game va durer un siècle. Voilà, on prend le kill, boum. Bon là ça va, vous arrivez à les dominos, la Ange est là, elle va mourir. Et ça passe. Vous avez 1 minute 19, ils ont 1 minute tout court. On va bien évidemment revenir. Cette fois-ci, vous êtes en défense. Encore une nouvelle fois, il reste 15 secondes. Qu'est-ce que tu fous là avec ton Genji? Mais bon, ça va être la même erreur qu'au départ, c'est logique, hein, les gens font les mêmes erreurs. Donc là, il faut bien sûr pas se mettre là, essayer de se mettre dans un endroit un peu plus... avec un angle un peu différent de celui de l'autre DPS. La punition sur le Genji est une bonne idée, même s'il est heal par une merci qu'il l'a lâché. Donc là, il y a possibilité de le tuer. Bien joué. Savoir qu'en flanqueur, on peut être anti-flank, c'est vraiment l'une des bases. Dû à la supériorité numérique, t'es décidé d'y aller. Tu finis ton deflect dans un angle mort pour être soigné. C'était parfait, là. Comment, là, une Orisa peut crever dans une situation pareille? Je sais pas. Le reste de la hanche, faut la punir à ce moment-là. Fais gaffe, t'as quand même... Soldat qui s'en bat les couilles de toi. Ah, c'est la merde.
faut réussir à temporiser. C'était pas si mal, j'aurais tendance à penser c'était pas si mal. Non mais Dora, non ça passe pas. C'était une bonne prise de décision, j'ai pas trouvé que là c'était horrible ce que t'as fait. C'est sans doute la mort d'Orisa le gros problème, je sais pas comment elle fait pour crever dans des situations pareilles. Elle était pas si mal positionnée que ça, elle est là. Et en fait, elle est anti-heal et elle joue comme si elle pouvait être soignée. C'est ça, en fait. Si, c'est la faute d'Orisa. Elle est anti-heal, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est anti-heal. Et je suis sûr, ça se trouve, elle avait encore dans son kit de sort des moyens de survie. Non, elle n'a pas son hélice. Elle l'a pas. Là, elle l'a. Là, elle va se faire anti-heal. Ah, elle utilise son hélice un peu pour rien aussi. Hein. Ah, c'est là qu'elle se fait anti-heal. Elle a son blindage et son hélice et elle va utiliser ni l'un ni l'autre. Elle utilise l'hélice beaucoup trop tard et elle se fait tuer par un dot de ange. Parce que là, Anna, je vais y arriver. C'est parce qu'en fait, le dot d'Anna, c'est un dot, c'est un dégât overtime. Donc elle a hélice, mais il y avait encore le dot. Donc elle est morte, elle est quand même morte. Parce que les gens doivent se dire, mais comment ça se fait qu'elle est morte? Même si je pense pas que ça soit. Je pense pas qu'Anna puisse mettre un shot à travers l'hélice ici. On retourne sur Dora. Donc là, t'as ton tank qui meurt. Tu mets de gros dégâts sur Arash, tu réussis à le tuer, c'est bien avec un dash. T'essayes de tuer la Mercy, c'est dommage, tu devrais t'appliquer un petit peu plus. En fait. Ange va être immobile. Les gens ne t'ont pas vu. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils sont en train de paniquer. Il leur reste 17 secondes. Faut qu'ils aillent sur le point. Donc, t'aurais pu t'appliquer un petit peu plus sur le kill sur Ange. En te disant que Ange, quand elle reste, elle est immobile. Donc, être un petit peu plus juste sur l'aim aurait été beaucoup mieux. Le focus sur Anna était peut-être meilleur que le focus. C'était soit Ange, soit Anna. Et t'as décidé de... Là, c'est Ange. Mais là, c'est en train de devenir Anna. C'est-à-dire que Anna, elle est quand même là. Elle a perdu 90 HP, 80 HP. Elle est tuable, là. Elle est tuable assez facilement. Hein. C'est dommage. Voilà, tu retapes à rage, mais... C'est vraiment le flanqueur, hein. Tuer le main healer, c'est quand même très très important. Donc là, tu sais que si tu tues Anna, il n'y aura plus de heal. La Blade, elle aurait dû être tournée vers Anna ou vers Ange. Arash, ça peut être bien aussi quand même. Ah, allez, alors que c'est pas trop mal, mais... Je pense qu'il aurait fallu dash et blade là. En plus, là, tu touches les deux d'un coup, je crois. Je crois que les deux heals sont... Au moment où tu blade, les deux heals sont à côté. Non, il y a deux trucs à côté, mais c'est quoi? Là, maintenant... Non, c'est le Genji et la... Le Genji et la Anna, ils sont l'un à côté de l'autre. Là, t'aurais pu dasher à travers et mettre un coup de blade sur les deux. Ça aurait peut-être été mieux. Parce que là, je crois pas que tu réussisses le premier coup... Le dash est un peu raté. Voilà. Est-ce qu'il fallait pas coup d'épée tout de suite? Plutôt blade que dash au début de ta blade. Pour garder ton dash possible. Ouais, c'est le dash, il est raté là. Le dash, il doit être mis là. À mon avis. Parce que là, tu touches quelqu'un avec le dash? Je crois que tu touches personne. Si, tu touches la Anna, mais tu la tapes pas derrière. Tu touches la Anna, elle perd un peu de vie. Sauf si elle est tapée par autre chose, mais je ne pense pas. Ouais, fallait à mon avis insister plus sur la Anna, surtout qu'on sait que c'est pas une Anna qui a des slips incroyables. Au bout d'un moment, psychologiquement, quand tu t'es fait endormir deux ou trois fois par une Anna, je pense que tu commences à en avoir à le cul, mais c'est pas le cas, quoi. Ça capte le point. Aïe, 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 coup dur. Alors on gagne pas du temps, hein, on rappelle, maintenant c'est une prolongue. Donc il faut les faire lâcher le point, il suffit de gagner un fight. Là faut aller prendre la hauteur. Bien sûr, POC. Pass commit beaucoup parce que... Alors pourquoi pass commit beaucoup? C'est parce que ton équipe elle est pas en train de se commit elle. Donc en fait ils vont avoir une facilité à taper. Oi, 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 oi.
Un Andorra. Un Andorra. Faut se mettre dans un angle mort, hein. Putain, s'il te tuait, là, il faisait encore quelques mètres de plus, hein, à cause de ta mort. Attention. Il y a du heal, là, sur le côté. Rappel, rappel, très très important. Il y a du heal, là. Là. Important, le rappel, quand même. Point acquis sur le flanqueur, il faut contester, empêcher l'idée de caper le point. Orisa qui claque son ulti, ça va tuer Ange. Non, ça va tuer Arash, mais pas Ange. Et ils ont lâché le point parce que pendant l'ulti Orisa, ils ont eu peur. C'est dommage parce que Ramattra avait quand même son ulti en face. Hein. Je rappelle que Ramattra, il fait ça pendant l'ulti Orisa, il prend pas de dégâts. Hein. Qu'est-ce qu'il prend ? C'est comme l'ulti Chacal. Donc il aurait dû. Il aurait dû faire ça. Ok, ok. Encore un coach time de 3 jours. Tiens, il a, ça va. J'en ai encore un à faire. Hein. Ça fera mon troisième de la journée. S'il fait encore une heure, ça fait 3 heures. Allez, on avance un peu. On peut. Allez, il reste 25 secondes. 5, c'est bon, on y est. Donc une Sojourn, ok. Donc faut charger l'arme. On peut les charger sur un écran, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si ça monte lentement, plus lentement. Attention au poke du Junkrat. Pas mal le sort. Le sort est plutôt bien positionné, j'ai l'impression, il fait chier quand même. Là, on a perdu malheureusement la Orisa. Là, fallait que tu te bats. L'utilisation du tacle glissé était peut-être pas obligatoire. T'aurais pu le garder. Pour pouvoir garder un truc pour te cover. Parce que t'as perdu ton tank très très vite. Donc là, le problème, c'est que le tank meurt à chaque fois. Il se fait souvent anti-heal, je suppose. Ça doit être le même problème que tout à l'heure. Là, le problème, c'est que c'est comme fatal. Hein. Faut réussir à mettre le shot dans la tête. Hein. Deuxième ulti. Oh, bien joué. La grenade très très bonne. Mais ça n'empêche pas la roue de fonctionner. Bien sûr, quand vous tuez Chacal, ça n'empêche pas la roue de fonctionner. Le reste de Ange. Ange est pété à bas élo pour cette notion-là. Là, faut tuer Junkrat. Hein. Oh, t'es allé dans le piège. Il va venir te tuer. Toujours se dire, il est où le piège, putain de merde. Yami Minika, le meilleur joueur de Lucio de la planète. Oh, c'est pas trop mal. C'était pas trop mal. Il s'est raté un peu à la sortie, mais après c'était mieux. Le trap sur la... Oh là, c'est trop dur. Je le sens pas, là. Ah, quoi qu'il y ait un ulti Lucio. Un ulti de Orisa. Le focus Ange est bon. Même si là, voilà, vaut mieux focus les DPS parce qu'ils se font pas soigner. Oh, quel dommage. On retourne sur le point du côté de Dora, mais ça va pas passer. On réussit à faire un kill. Et c'est perdu. Aïe, 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 coup dur. Coup dur, bah la game est relativement bonne quand même. Hein. Voilà, le tank est un peu bourré. Minika, il est un peu bourré aussi. Je dirais que, bah, bien sûr, il y a un petit peu plus de focus. Servir un petit peu plus des flanques, améliorer l'aim, ça, c'est de l'entraînement. On rappelle le mode VAXTA, en partie perso, le mode que je conseille. Et on peut s'entraîner aussi en cherchant dans partie personnalité. AIM Arena. AIM. AIM, Arena, voilà. Et vous allez affronter des êtres humains. Et c'est un bon training, avec des bots aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve, nous, demain, pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne. Ciao !